Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Et oui, encore et toujours des hauls. Alors je sais pas trop comment, quand je vais vous poster la vidéo, si vous l'aurez avant le haul de Ninon ou après. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui on est le dimanche 19 janvier. Je crois que c'est ça, oui, 19. Et du coup, petit tour au salon loisirs créatifs et du fil à Saint-Étienne. Tout petit salon. Pas tant d'exposants que ça, j'ai pas spécialement regardé combien il y en avait. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, une quinzaine fois 4. Donc ça fait une soixantaine, une petite soixantaine d'exposants. Mais à mon avis, pas autant quand même. Voilà. Bon salon en soi, pas grand, mais du choix. J'avais eu des retours pas top top. Plein de gens qui me disaient que voilà, ça valait pas le coup et tout ça. Et au final, j'ai fait pas mal d'achats. Quasiment 100% de scrap. Ouais. Ouais. À part un truc. Voilà. Bah du coup, on va attaquer. Donc premier achat bah, que je vais vous montrer, c'est pas pour moi. Parmi les exposants, il y avait une exposante qui vendait des lampes de travail avec une loupe et tout ça dedans. Et du coup, mon chéri a trouvé. Alors, il fait la collection des porte-clés et la collection des pièces. Et du coup, il a trouvé un porte-clés qui fait loupe. Voilà. Qui est plutôt joli au final. Donc voilà. Donc il a craqué dessus. Donc il n'y avait pas de souci. Hop, je lui ai pris. Et voilà. Donc, je vais l'emmener dans sa petite boîte et lui rendre. Voilà, et c'est la seule chose qu'il a trouvée pour lui. Et par contre, on a quand même bien regardé tous les deux ce que j'allais prendre moi. Alors, je suis d'abord dans un premier temps allée dans une boutique qui faisait des produits au détail. Alors, j'ai acheté pas mal de choses. Alors, j'ai pris des boutons. Alors, les boutons, c'était 5 euros les 10. Donc j'en ai pris 10. Je me suis dit que sur des créas de mix média, ils pouvaient être cool. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Donc là, il y a les trois là. J'ai pris ces trois là. Donc ils sont plutôt chargés, mais bon, je me dis sur une créa mix média, ça passera bien. Et j'ai pris donc ces trois là. Donc il y en a un plus petit. Ils sont super sympas. Voilà pour les boutons. Et ensuite, je me suis concentrée sur les fermoirs qui étaient vrais. Bah non, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Et il est là. Et après, je me suis concentrée sur les fermoirs donc en métal. J'ai pris ce gros-là. Alors, les prix, je ne me souviens plus vraiment. Je crois que celui-là était à 3 euros. Mais je l'ai vraiment trouvé magnifique. Donc, voilà. Voilà, ensuite, je retrouve qui va avec quoi, hein, évidemment. C'est pas rigolo. Celui-là, je pense qu'il va avec celui-là. C'est ça. Donc celui-là, c'est un fermoir comme ça. Tac. Alors, vu que je me suis acheté pas mal de papier un peu steampunk, vintage et tout, ça ira super avec. Hein. Tac, donc celui-ci. Ensuite, j'ai acheté en fermoir, j'en ai pris un comme ça. Toc, ils sont un peu tordus dans le sac, mais bon, ça se détordra facilement une fois posé. Et ensuite, j'ai pris. Alors là, il y a encore un fermoir. C'est celui-là. Alors celui-là, je le trouvais joli. Il est petit, mais il est joli. Voilà. Après, je me suis pris alors, deux poignées. Je me suis dit, il faut mettre sur des boîtes. J'ai récupéré des petites boîtes de chocolat et de choses comme ça. Donc, je me dis, ça peut être cool. Et j'ai craqué là-dessus. Voilà pour cette boutique. Alors, je vais ranger au fur et à mesure parce que là, pour le coup, je ne dis même pas, j'en fous de partout sinon. Donc ça, c'est une petite boutique qui vendait au détail. Hein. J'en ai eu pour 19,50€, je crois. Avec les boutons et les ferrailles.
Toc. Ensuite, ça c'était quoi? Je suis passée au comptoir du scrap. Voilà. Ça c'était le comptoir du scrap. Donc il n'y avait pas beaucoup de boutiques que scrap. Mais il y en avait. Et du coup, bah voilà. Je me suis fait un peu plaisir dans ces boutiques-là. Hop. Je suis désolée pour le bruit. Alors, en premier, donc bon, bah, j'en profite, hein, je vous montre la petite carte. Hop. Donc je vais essayer de vous mettre les liens sur la vidéo. Enfin, je vais pas essayer, je vais vous mettre les liens sur la vidéo. Donc, hop, je me suis pris un petit embellissement acrylique avec marqué Love. Ensuite, j'ai pris 5 petites flèches en métal, comme ça. Elles sont très jolies. Voilà. Après, j'ai pris uniquement des tampons. Donc, je me suis pris celui-ci. Je vais vous montrer comme ça. Je vais peut-être vous le sortir parce qu'avec le. J'ai l'impression qu'avec le reflet, vous n'allez pas voir grand-chose. Et comme ils sont pas tamponnés derrière. Pas bien mis en fait, hein. Par quelque chose. Si je vous baisse un peu la lumière, au moins pour ça, vous verrez mieux. Donc ensuite, j'ai pris celui-ci. Et enfin celui-là. Donc les prix, c'était 4,90 pour celui-là, 4,90 pour celui-là et 5,90 pour la map monde. Voilà pour le comptoir du scrap. Je me suis pas trop lâchée. Il y avait des choses qui me plaisaient, mais bon, pas dingue. Pas dingue. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Graffiti Girl. Alors là, clairement, comment vous dire? J'allais au salon quasiment que pour eux. Au départ, hein. Au départ, je me suis dit, j'irais pour eux. Et en fait, bah, j'ai trouvé d'autres boutiques, notamment la boutique d'une copine scrap que je connais. Et que je ne savais pas du tout qu'elle serait présente. Voilà, mais je vous en parlerai en dernier parce que ça a été bah, du coup mes gros achats de la journée. Donc, chez Graffiti, j'avais repéré plusieurs collections de papier. J'ai pas tout pris parce qu'au final, voilà, je me suis dit que bon, j'allais déjà voir avec ce que j'allais trouver. Donc j'ai pris la collection Intrépide. Donc celle-là, j'ai une idée de projet avec. Donc je pense que je vais l'utiliser assez rapidement. Elle est très Pepsi, hein. C'est des couleurs très flash, mais je l'adore. Donc voilà, je l'avais vu sur internet, j'ai vu quelques projets avec. Donc voilà, je pense que je vais très rapidement m'en servir. Voilà. Donc là, il y a une sorte de petit calendrier, donc ça peut être sympa. Hop, des quadrillages, quadrillages, un effet rayé vintage, un peu grunge, et voilà. Donc ça, c'est la Intrépide. Donc les collections étaient vendues 7,50. Voilà. Ensuite, j'ai pris la collection Géomavie. Alors celle-ci, je la trouve très douce. Voilà, je vais essayer de tout vous montrer. J'aime beaucoup celui-là. Elles sont. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qu'un de chaque couleur. Peut-être pas, hein. Celle-là est belle. Voilà. Et je crois qu'on recommence, si je ne m'abuse. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris la dernière qui vient de sortir, qui s'appelle Lettering, dans les tons orange, marron. Voilà. Gris. Orange, marron, n'importe quoi. Gris. Remarquez, garde toujours le sourire. Hop. Là, c'est A, B, C, D, E, F, G, voilà, ainsi de suite. Là, donc, qui calme un souris.
Là, c'est Vis la vie comme tu la rêves. Smile life happy. Alors, tant de bonheur à vivre, prendre ta vie du bon côté. Tant de bonheur à vivre et prendre la vie du bon côté. Voilà. Pareil. Hop. Garde toujours le sourire. Imagine et crée le rêve. Positive attitude. Là, il y a bah, des alphabets. Enfin, soit on l'utilise tel quel, soit on découpe pour en faire un alphabet. Là, c'est les saisons, printemps, été, automne, hiver. Hop, et celui-là avec un effet un peu confetti. Voilà pour les papiers. Ensuite, j'ai craqué sur les planches d'étiquettes qui sont à 2,20. Donc, celle-ci, c'est celle qui va avec la collection. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette collection. Scoop, je crois. Je suis pas sûre. Avec les appareils photo. Et celle-ci, c'est celle qui va avec la collection lettering, donc celle que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite, j'ai pris les stickers qui vont avec Géo ma vie. Hop. Donc il y a marqué ma vie de famille, mon aventure, toi et moi, effet bonheur, imaginez cet instant, you, bulle de bonheur, you and me, journée parfaite, se souvenir, explorer, savourer ce moment, partager, nous étions ici, love, douceur du jour. Voilà. Et ensuite, je me suis pris donc. Des tampons texture que j'avais jamais, j'en ai pas. Voilà. Et c'est donc la planche qui s'appelle texture et la planche qui s'appelle clean. Et c'est du basique, mais c'est du basique qu'on sert quand même beaucoup. Voilà. Et puis j'ai pris des petites décos. Je vais les ouvrir, je vais vous montrer. Donc j'ai pris 3 lots de 4 et ils m'en ont offert un. Donc ça, c'est un des lots que j'ai pris. Alors, tout d'abord, j'ai pris ce petit trombone avec marqué Love. Celui-là, j'en ai pris 2. Ensuite, une petite étiquette avec marqué Petit mec. Un rond. Avec écrit Love. Une ampoule avec un petit cœur. Moment de partage. Et modèle unique que j'ai pris 2 fois. Voilà. Touch. Je vais remettre dedans en attendant d'y ranger. Donc là, c'était 4 découpes pour 3 euros. Voilà. Et puis, ils m'en ont offert une en plus. Donc ça, c'est plutôt sympa de leur part. C'était pas, voilà, j'ai pas fait non plus, j'ai pas dévalisé le stand, hein. Toc. Alors, ça. Le souci, c'est qu'il m'a fermé les sachets. Donc, je sais pas du tout. Alors, ça, c'est ceux qui m'ont offert. Ensuite, j'ai pris donc Love, prise de vue et 2 petites flèches comme ça. Voilà. Alors, je vais pareil, je vais les mettre dedans pour pouvoir y pousser après parce que après j'ai mon gros morceau du salon. Et hop, enfin, donc ça c'est ceux que j'ai choisis. Qui m'ont offert, donc j'ai pris des rouages, pinceau, un cœur et un panneau. Voilà, et des pancartes. Voilà. Tac, et voilà. Donc là, je pense qu'on est déjà pas mal, hein. En embellissement, on est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça c'était Graffiti Girl, donc ils m'ont pas donné du tout la. La carte de la boutique, je la connais bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà.
Voilà, alors pour Graphic Tiger, on a fini. Excusez-moi, on a été coupé. Ensuite, eh ben, on va faire le gros haul. Donc de la boutique, ma boutique de scrap. Donc c'est une boutique que je pense peu d'entre vous connaissent. Donc c'est la boutique de Muriel. Donc Muriel, si tu passes par là, bah, je te fais un petit coucou. Muriel, c'est une des démos Artemio et Rayer que je croise très très régulièrement les week-ends quand je fais des ateliers dans les magasins. Et du coup, elle a aussi sa boutique de scrap. Donc je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le lien de la boutique. Et là, je vais vous présenter donc du coup tout ce que j'ai trouvé, toutes les petites merveilles que j'ai trouvées, sachant que Muriel a énormément de marques différentes, tout plein de produits et elle vous conseillera toujours très bien. C'est quelqu'un de super abordable qui donne des ateliers, qui voilà, qui connaît vraiment les produits qu'elle vend, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer la chose la plus encombrante du jour. C'est ça. Alors, voilà, c'est la résine, enfin, ce qui s'appelle résine railleur 200. Donc, c'est une poudre de moulage blanche, assez résistante d'après Muriel. Donc, je vais la tester. J'ai pris un sac de 4 kg parce que j'ai énormément de moulage à faire. Voilà, donc le ratio, c'est 1 pour 3,5. Donc, elle m'a dit, on peut faire du 1 pour 3 aussi. Voilà. Donc, écoutez, bah, ma foi, on va voir. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer, mais là j'en ai pour un petit moment parce qu'il y a quand même 4 kilos quoi. Voilà, je vais la descendre du bureau. C'est un peu lourd quand même. Et ensuite, on va attaquer donc mes achats chez Muriel. Donc je pense que je dois avoir les prix parce que il me semble que c'est tout étiqueté. Ouais. Alors, dans un premier temps, j'ai pris donc les acryliques, enfin quelques acryliques paint de chez Finaber, distribués par Prima. Alors là, la couleur c'est Rich Turquoise. Un turquoise. Hein. Ensuite, donc elle voile 6 euros chacune. Celle-ci, donc c'est pareil, c'est une métallique. Par contre, celle-ci c'est vin rouge, donc Red Wine. Celle-là, elle est magnifique. Magnifique. Toc. Ensuite, j'ai pris la Midnight Sky. Donc. Ciel de nuit, quoi, en gros. Pareil, toujours à 6 euros. Et celle-ci, c'est une acrylique paint. Celle-ci, c'est une métallique. Et c'est la ambre d'or. Donc, gold amber. Donc, c'est un gold, mais assez orangé quand même. Voilà. Et enfin, la dernière. J'ai pris, donc c'est une métallique aussi, et mousse d'or, golden moss. Et c'est un verre métallisé qui est très beau. Voilà pour les acryliques. Ensuite, j'ai pris la pâte de texture à craquelée de chez Prima. Alors ils ont changé leur packaging, donc je la retrouvais pas dans le rayon, mais comme je vous disais, Muriel est toujours très bon conseil, donc 13,90 € et voilà le rendu. Alors je sais pas si vous allez voir très bien l'effet craquelé, donc à tester, je la connais pas, j'ai jamais utilisé, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des 3D balls pour le mix média, donc c'est des grosses celles-ci. C'est un pot, c'est des PowerTex, il n'y a pas le grammage. Matériaux pour eux, toutes les peintures, gna 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 gna. Non, ils disent pas. Et 6,50 €. Ensuite, j'ai pris les 3D balls, pareil, mais les small, donc les toutes petites, petites, petites. Voilà, donc ça c'est pareil, j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, je me suis pris un pinceau comme ça, railleur. Donc à 1,95 € pour mon gesso, là, quand j'ai des grosses surfaces, ça me gonfle. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris alors, ce tampon de chez Florilège, donc Nature Apaisante et Sauvage. Et franchement, c'est mon chéri qui a craqué dessus. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai pas hésité du tout et je le trouve très beau. Donc je sais que je m'en servirai sans problème.
Et ensuite, j'ai pris celui-là de chez les Naturello de Karine qui s'appelle Road Trip, qui vaut 11,90 € et c'est marqué City Trip Découverte Aventure Rencontre. Et comme nous, en ce moment, quand on part en vacances, on part 3 ou 4 jours dans une ville histoire de découvrir, et bah écoutez, voilà, c'est l'occasion de les utiliser quand je fais les albums. Voilà, celui-là, je ne vous l'ai pas dit, il faisait 8,50 €, celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris le combo pareil. Alors, ils appellent pâte à effet rouille Prima. Donc, il y a trois pièces. Donc, celle-ci valait, je crois, 13,90 €. Alors, on va les ouvrir. Il faut que je trouve un petit scalpel ou un. Un cutter. Je ne sais pas me couper les doigts. Et en fait, ce sont des pâtes à effet. Donc, ce qui permet de faire un effet rouille. Donc, ça, c'est effet rouille. Donc, c'est un peu jaune moutarde. Voilà. Qui va avec. Alors, attendez, je vais les sortir. C'est pas évident. Je sais pas si je vais les laisser là-dedans. Hein. Je pense pas. Donc, il y a brown rouille marron. Donc, celui-là est bien marron. C'est un très beau marron. Et celui-là, donc, pareil, rouille rouge. Voilà, donc ça, c'est un marron un peu terracotta. Ah, donc les trois vont ensemble. Ça, je vais pas le garder. Hop, et pareil, donc j'ai acheté le même. Enfin, le même, non, c'est pas le même. C'est pareil, c'est un effet rouille. J'ai pas l'impression que ce soit la même couleur, encore j'ai un doute sur un. Hein. C'est pas la même couleur. Toc. Alors, il y a le, ce qu'ils appellent rusty, donc rouillé, donc c'est un orangé. Ensuite, vous avez un marron qui s'appelle marron foncé, donc qui est un peu différent de l'autre, hein. C'est pas les mêmes. C'est proche, mais c'est pas les mêmes. Et ensuite, un vert. Donc ça me fait plus penser au rouille vert de gris, un peu sur le cuivre. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce stencil de chez Prima. Donc, mon chéri le trouvait vraiment beau. Moi aussi, j'hésitais entre deux, donc j'ai pris celui qu'il préférait. Et il s'appelle Tapestry. Et du coup, voilà, c'est un Finaber, donc 10,50 €. Bon, je suis désolée Ninon, si tu passes par là, je t'ai fait des infidélités. Ensuite, j'ai pris ce tampon. Alors, je vais sortir de l'emballage. Je suis désolée pour le bruit. Hop, donc c'est un tampon mousse qui était en promo, donc il était à moins 50 %. C'est du texte, style un peu couverture de livre ancienne en latin, et qui est vraiment, vraiment très joli. Donc à voir, je pense que j'en ferai des fonds. J'en ferai des fonds. Voilà. Enfin, j'ai acheté mes premières fleurs Prima. Donc j'ai acheté celle-ci. Alors, c'est pareil, je vais vous baisser la lumière, je pense que vous verrez mieux. De la collection Darcelle. Voilà. Donc c'est 6 euros. Je pense que c'est Darcelle celle-ci, je suis même sûre. Hein. Et je crois qu'ils ne le mettent pas. Hein. Ils mettent pas forcément le nom de la collection, c'est dommage. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est pareil, c'est la collection Darcelle avec le papillon et un peu de feuillage. 6 euros aussi. Ensuite, de la même collection, j'ai pris celle-ci. Euros aussi, et ensuite j'ai pris alors celle-là. Je sais pas du tout quelle collection c'est, par contre, ils mettent pas ce que c'est, ils mettent pas quelle collection c'est. Voilà, j'aimais beaucoup les mints, mais les autres, j'utiliserais facilement aussi. Hop, donc j'ai pris
De cette collection, j'ai pris celle-ci aussi. Donc cette collection, elle valait 5,90. Oh, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Tac. Et enfin, celle-ci. Voilà. Et comme Muriel est vraiment adorable, elle m'a offert une liquide acrylique de chez Prima. Donc j'ai choisi la blanche. Elle valait 6 euros. J'ai choisi la blanche. Je me suis dit que pour faire des gouttes et pour faire mes premiers essais, ce serait top. Et puis on verra si elle me plaise ou si elle ne me plaise pas. Bah, en fonction de, j'investirai ou j'investirai pas. Donc je verrai ça après coup. Voilà pour ce méga haul salon. Comme je vous disais, je suis vraiment pas déçue du salon. On m'avait dit que c'était vraiment un tout petit salon, qu'il n'y avait pas grand-chose, qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Et en fait, je suis pas du tout d'accord. Alors oui, c'est sûr, c'est un petit salon, c'est pas version scrap. C'est pas la folie du shopping dans le sens où voilà, vous n'allez pas avoir toutes les marques, vous n'allez pas avoir plein d'ateliers, quoique il y avait énormément de make and take. Il y avait vraiment du choix. Et il n'y avait pas que du choix en scrap. Il y avait de quoi réaliser des terrariums. Il y avait de la couture. Enfin, il y avait plein de choses. Donc clairement, il y avait de quoi faire. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a envie de s'éclater et d'apprendre plein de techniques. Et ben clairement, il y avait de quoi faire. Les exposants, du coup, sont beaucoup plus accessibles que sur un salon du type version scrap où ils voient des centaines et des centaines de personnes à la minute. Et où j'ai envie de dire, moi j'y vais souvent le dimanche, et clairement ils sont blasés. Voilà, donc honnêtement, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Et franchement, je n'hésiterai pas à y retourner l'année prochaine. Vraiment pas. C'est un beau salon. C'est un beau salon, un petit salon. Et chose très sympa, c'est que les hommes accompagnants ne payaient pas leur entrée. Voilà, donc c'est la première fois que je vois ça. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc voilà, c'est vrai que mon chéri, s'en fout un peu. Hein. Ouais, j'ai acheté quelques petites choses pour lui, enfin, une petite chose pour lui, mais je veux dire, bon, c'est pas non plus dingue en termes d'achat. Et puis voilà, donc là, j'en profite pendant que je suis avec vous de préparer ma miniature pour pour la vidéo. En tout cas, moi, j'espère que ce haul vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de venir dans des petits salons comme ça. Et ne serait-ce qu'encourager les exposants aussi à venir, hein, parce que plus il y aura de monde, plus on aura du choix et plus on aura des exposants. Il faut être réaliste. Hein. Voilà, donc c'est comme quoi les petits salons, parfois, bah, écoutez, ils valent largement les gros. Et de prendre le temps aussi de, bah, de justement de connaître les exposants, de les rencontrer, de discuter. Parfois, ça a vraiment du bon. Bah, écoutez, moi en attendant, bah, écoutez, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.